Ah, oula, ben c'est Lugan Offshore ce matin sur la cano. Bonjour à toutes et à tous, bonjour la cano et bon vendredi. Un vendredi qui commence avec déjà 23 degrés dans l'air, 20-21 degrés dans l'eau, un ciel qui est dégagé, quelques voiles nuageux, une marée qui est en train de finir de monter, le plein eau est à 7h45, des coefficients importants de 94. Sur cette fin de marée montante, le vent est offshore modéré à sud-est de Beaufort, le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses. Et la mer fait pas grand bruit ce matin, on a une toute petite houle, courte de 6 secondes de période, orientée nord-nord-ouest à nord-ouest, qui est propre mais qui est toute une petite et qui nous donne du 10 cm en déferlement régulier, 20 cm aux séries, absolument impraticable, c'est trop petit. Avec le descendant, il y aura des petites vagues à pratiquer uniquement pour les débutants, équipées de grandes planches, c'est vraiment pas violent, c'est presque le calme plat. L'évolution pour le reste de la journée, la houle devrait légèrement grossir en fin de journée, mais en restant bien inférieure à 50 cm, propulser cette petite houle par une entrée maritime que l'on attend modérée. Attention, l'indice de confiance est faible pour le vent aujourd'hui. La bouée Arcachon-Gascogne est toute petite et à la baisse, à 80 cm et 5 secondes. Les prévisions à 13h, c'est moins de 50 cm avec une houle qui devrait passer un peu plus ouest à ouest-sud-ouest, 5 secondes de période, accompagné par un vent ouest-sud-ouest à de Beaufort, et à 17h, moins de 50 cm, on devra avoir un peu plus là, ça sera le moment le plus gros de la journée. Houle ouest à ouest-sud-ouest, 5 secondes de période, vent d'ouest 2 à 3 Beaufort, ça sera pas la folie. Pour moi, malgré tout, le meilleur créneau devrait être ce matin en fin de matinée, marée basse, vent offshore de toute petite vague certes, mais propre. Prochain point, 7h40.